Continue l'aventure sortie dans TD. 24. Canopée. Vive comme un rentier. Ça veut dire des fermes, ça. Niveau maître, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Niveau de difficulté. Je pars une semaine en vacances après-demain. Oh là là. Il y en a combien, bon, hein. Alors, génère un intérêt de 20% sur les golds à la fin de chaque vague. Ok, il y en a les fermes. Ok, full à sac. Donc, si je mets les fermes là, ça va se faire. Oh, attendez. Oh, oh c'est chiant ça. Portail là, là. Oh, ça va être relou à défendre. Je peux pas faire de ferme en early là, si. Attendez. Ah, ça va être compliqué. De toute façon, la tour d'archer est trop forte en early. C'est quoi comme jeu? C'est la tour en défense. Il y a des ennemis qui arrivent, des vagues d'ennemis, il faut tout clean. Ouais, j'ai aucun moyen de regrouper là, c'est très très chiant, j'aime pas ça du tout. De toute façon, là on fera ça, j'imagine. Et du coup, là je ferai ça, j'imagine. Donc. Mais là, ils vont marcher là. Donc, je pense que je vais mettre la tour. Je vais mettre ça ici. Et une ici. Plus là. Là. Après, les insectes qui. S'il y a des insectes. Est-ce qu'il y a des insectes qui vont passer là ou là peut-être? Parce que là ils ont fait ça, une ouverture pour les insectes, donc je pense que c'est prévu pour avec le slow. Après moi je pourrais de toute façon amener le chemin là. Je pourrais quand même regrouper là en fait. Si si si, je pourrais. Ah bah, attends, ah bah non je peux pas avec le sable. Si si, je pourrais faire un truc comme ça. Si bien sûr. Je pourrais faire ça. Ah non, je peux pas vous de là, oui, je dois quand même laisser. Ok, 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 c'est ta merde. Oh non, je suis obligé. En fait, je peux pas les regrouper sur une seule, en fait. Je dois quand même laisser une valide. Ok, ok. Du coup, il faudra essayer de les pack dans le slow, de toute façon. Ouais, on fera comme ça, j'imagine. Et je pourrais refaire une case là pour qu'ils aillent dans le sable éventuellement. Tout le mettre là en amélioré, je pense. J'ai pas fait de ferme, mais on va voir si ça passe comme ça. Peut-être que je vais générer des golds pour faire les fermes là. Si je mets des fermes, je ferais quoi? Je ferais. Là, je pourrais pas. Plutôt ici, à mon avis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, ça me coûte beaucoup de gold quand même. 9. Est-ce qu'on tient les défenses déjà? 9 fois 15. Donc on est sur 90, 45 gold. 135, 6, 6, 5. Ok, il me faut beaucoup de thunes. Fais pas de thunes. Ah oui, j'ai pas la range, il va falloir que je roule. Après, elle est pas bonne là, attendez. Si je voulais wool là et repasser par là, j'avais dit. Ouais. De toute façon, on fera wool ici. Ok.
clairement pas la thune actuellement. Sort 21. Peut-être après ce round là, je pourrais avoir assez de thune. Peut-être mettre un slow pour les ninjas. J'ai pas envie de claquer ma thune, j'ai envie de faire mes fermes. 144 gold, j'ai pas assez. Eux c'est pas gênant mais c'est les ninjas qui me font peur derrière. Je pense que la slow là c'est ok. Ah bah j'ai quand même bien fait même pour eux, première vue. La tour en bas à droite est trop... Et en trop non? En bas à droite? Celle-là? Non j'en ai besoin là. Comment là ça passe? Je crois que j'ai pas clean, fait chier. Après ça va être tordu. La case la plus en bas à droite. Mais c'est pas une tour, c'est une muraille, ça que tu veux me dire. Ok, oui ça oui c'était... Je devais l'enlever, oui. Mais pour moi une tour c'est ça, ça c'est des murailles. Mais oui, bien sûr, oui, t'as raison. Si tu me dis tour, je bug. Ouais. Ah mais je peux pas où là, ouais juste. Après je ferai ça déjà. Mais non je peux pas, il faut que je vous roule là après. Ah c'est chiant. La bière t'es pas si fou là du coup. Ouais. J'ai juste envie quand même de rester avec l'autre en 1 et de mieux gérer mes walls. Peut-être ça peut le faire. Pour 83 gold, on peut faire les fermes en théorie si ça passe. Je vais me le faire au début pour voir la gueule que ça, mais je pense que je l'ai le play. Théorie, il faut que je fasse ça du coup, je pense. Ouais. Pas non plus insane mais bon. Je peux les finir après pour le round. Dès qu'on a clean un peu si besoin. On va voir ce qui passe. Il y a des régènes là. Il faut vraiment que je fasse ça ici. On va voir à quel poids j'en ai besoin. S'il faut que je le void ou pas, mais. Peut-être mettre un wool là pour mettre les fléchettes d'ailleurs. Full max. Ah mais après il marche dessus, je suis con. Ouais mais bon. Ah j'aurais peut-être dû mettre la tour anti-assac du coup. Yep. Yep.
Yep, my bad. Après, le problème, c'est que mon placement est pas si fou là. Je suis pas haut de l'autre. Genre j'amate ici mais l'endroit est dégueulasse de fou. Peut-être ici à la limite. Mais c'est tard mais bon. C'est une option. À voir si on en a besoin. On va tester comme ça. Je devrais probablement remettre la même ici du coup. Voilà, le poison il était big là. Bon, je vais quand même faire ça plus l'autre derrière, je crois. Non. Je pense que je vais quand même faire ça ici. Je pense que ça passera comme ça. Je crois que je pense mal. Je vais l'avoir, normalement. Attends, il régène ou pas? Non, moi. Ah, il veut pas le taper, non! Oh, vas-y, il a ses gros panards d'oiseau, là, ça dégoûte. Peut-être la mettre là, c'est juste mieux autrement, mais c'est à propre plus en continu, mais je profiterai moins de l'autre. Mais au moins on vire l'armure plus tôt. Autrement je fais pas mes fermes, mais je veux faire mes fermes moi. Peut-être j'ai fait le round d'après. Il y a d'où ce con encore? Moi je suis juste arbalète niveau max et pas le poison au final. Hein. Peut-être juste ça le play je crois. L'arbalète max ça a tellement une rage de Zaza pour tuer l'autre, ce sera trop fort je pense. Même si le poison noyé c'est cool. Il y a besoin de faire une ferme de moi mais j'ai pas envie. Non, tu veux pas détruire les murs. Pas par le ronde. Avant, oui, mais pas par les rondes.
Là pour Golem ce sera trop bien. Juste que je serai un peu plus galère pour ça, mais bon. J'aurais peut-être dû upgrade celle d'Ocro avant encore, mais bon, tant pis, mal est fait. Genre ça j'aurais dû garder les gold et là après. Ça on gratte un peu d'épaisse là-dessus, c'était mieux. En tout cas elle va désactiver parce que j'aurais mis moins de dégâts. J'aurais un peu trop traîné à mettre des dégâts avec ça. Yep. Normalement, je vais pas même faire ce tour, hein. J'ai fait le tour d'après et fuck it. Mais bon. Je pense quand même que mon labyrinthe est pourri là. Il file des golems, mais j'aurai pas le temps de me faire après si je fais ça. Ouais. Je peux faire les fermes pour le niveau, mais là j'ai pas la thune pour faire mes fermes comme je veux. Donc ça ne marchera pas. Au moment où le golem meurt et me donne la thune pour faire les fermes, c'est déjà trop tard. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas possible. J'ai toujours bonus euro, oui, mais ça change rien. Il me manquait. J'ai essayé. À partir du moment où le dernier truc qui passe, c'est le golem, je peux pas. Peut-être que je renforce un peu ici. Catapulte aurait pu être bien là aussi. Ouais, j'avoue qu'une catapulte, j'aurais peut-être dû. Peut-être dû faire une catapulte là. Catapulte plus slow peut-être. Catapulte plus slow c'était pas mal là. Juste le slow je le mets. Ou peut-être je mets le slow là et catapulte là. Yep, ça prend du temps pour être rentable, mais je pense que ça vaut quand même le coup. Si ça tient. C'est vraiment bien. Bah, je pense que ça vaut le coup, mais peut-être je me trompe. Parce qu'en vrai, t'as le 20% de l'autre côté en passive, donc c'est peut-être un bait. C'est peut-être un bait, ouais. Il y a moins que ce soit un bait. Ouais, c'est le 20% qui roule, je suis d'accord. Hein. Le problème, c'est que je tape pas ceux qui passent l'avant. Ouais, j'aime bien essayer sur les fermes. Il y a moins que sur la gigabait, je suis d'accord. Du coup, là, il faut que j'économise plus la thune. Sorte de gold par tour, c'est pas une guerre, oui, mais tu gagnes beaucoup de thune aussi avec la banque. Donc bon. Coucou le chat. Et vu que je l'ai fait tard, là c'est déjà tour 4. Si j'avais pu les faire tour 1, c'est différent, mais là c'est très tard déjà.
J'ai vraiment envie de faire catapulte plus l'eau là. Mais en même temps, peut-être que je sais pas, catapulte, peut-être je fais genre le slow niveau 2 ici, probablement. Faut aussi économiser la thune pour ça. Si ça passe comme ça, c'est vraiment insane, niveau écho avec lui. Parce que 20%, quand t'as vraiment énormément de gold, ça peut monter très très vite, du coup, enfin, ça monte très très vite. On va voir si j'arrive à défendre comme ça, sans claquer plus. Je crois qu'on va être un peu short. Gauche ça passe, à droite ça va passer ou pas? Non, c'est juste à gauche le problème, ok. Peut-être juste la catapulte autrement. Mais j'ai envie de la mettre la catapulte. Mais bon, peut-être je vais quand même la mettre là. Sauver des golds au passage. Vas-y, go, juste niveau 1. Je vais essayer, de toute façon là il faut que je grid pour économiser les golds. Pour snowball avec l'autre truc. Ah on s'en fout de lui, focus pas lui. Oh. Ah je crois qu'il me fallait quand même un petit blizzard au moins. Trop gourmand. Tu reviens en arrière pour faire la perfecte à chaque fois, oui c'est ça. Bah surtout que là, vu que je joue avec le 20%, je vais économiser des thunes pour... Je suis obligé de revenir en arrière dans ce setup là quoi. Vu que... Plus je grid, plus je gagne de thunes, donc faut que je passe le niveau avec le moins thunes possible. Si on fait la strat avec ça. Bon, je mettrai quand même niveau 2 par contre. Niveau 1 j'aime pas, niveau 2 je trouve le blizzard vraiment insane. Là je pense qu'on passe large le niveau 1. J'ai pas trop de doute. À moins que ça passe à droite mais ça m'étonnerait vu que tout à l'heure ça avait l'air de passer comme ça. Je pense pas que j'ai mis beaucoup de dégâts que le reste. Genre là je pourrais faire les fermes, on est tour 4 donc bon. Pas sûr que ça va être tellement rentabilisé. Vu qu'il faut plusieurs tours pour rentabiliser, je value pas l'autre de suite. On va pouvoir taper avec elle. Peut-être que je mettrai une autre anti ici. Hein. Les fléchettes là. Ok. Insectoïde. Humanoïde. Merde, celle-là. Humanoïde. On va voir la gueule de la vague d'abord. En galère ou pas. Ouais le gel il est vraiment cool. Selon ce qui passe, on va adapter les défenses en gros. On analyse, puis on adapte le plan de jeu. Genre si faut améliorer la catapulte, on peut le faire, on peut. Mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui va passer, donc bah on aura économisé full turn pour ça. Parfait. Ouais, tu peux réussir le niveau de plusieurs façons, souvent. Après, il y a parfois des façons beaucoup plus simples, quoi. Boss, osseux, aérien, sectoïde, ok. Pense que lui va être chiant, le boss, effectivement. Combien? 2000 d'HP, 1000 d'armure. Il résiste au gel, mais pas au poison. C'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que les petits vont prendre un peu l'aggro là, mais. Ouais. On va pas le fumer, lui, je crois.
J'aime bien cet angle là pour mettre ça, mais ça sera pas DPS vraiment insane contre ça. Narbalète et Sojma, elle va être trop cancel. Ouais, je sais, mais de toute façon, j'aurais quand même remis un truc là, donc bon. Et sa zone de range est vraiment cool. Après, ça dépend s'il y a beaucoup d'assacts ou pas. Là, il y en a beaucoup, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Potentiellement, on regarde après, il y en a peut-être pas beaucoup, tu vois. Ça dépend des vagues. Si après, il y a moins d'assacts, elle est vraiment bien mise. J'aimerais bien mettre ça, mais contre l'autre qui va arriver, ça va être chiant. Donc, faut plutôt que je la mette dans un angle comme ça, voire ici. Voir là. Bon, j'imagine que je vais la mettre là niveau 2. On va voir si niveau 2 ça suffit. Il y a quand même 2000 HP, hein. Il faudra prendre mon niveau 3. Je pense qu'il faut niveau 3. Il y a peut-être un monde où il faut dépenser plus de thunes aussi, mais c'est pas trop mon délire. Je pense que mon labyrinthe est pas bon. Là, j'aurais dû open, roule-là, laisser une entrée ici, roule-là et repartir par là peut-être. Ouais, mais j'aurais profité pas de ouf des slows, ouais. Ouais, ça m'a un peu léger. Mais moi, la birate à droite, je suis pas fan du tout, mais j'ai la flemme de tout recommencer. Donc, on va essayer comme ça, en sachant que c'est probablement plus dur ce qu'on a fait ici. Moi, au petit. Bon, je vais remettre ça ici et mettre l'autre comme ça, et go. Mais ouais, je pense, enfin je suis sûr que c'est pas optique ce que j'ai fait, mais il y a moyen de réussir comme ça. Au pire du pire, je recommencerai s'il faut vraiment, mais t'as rattraper un peu la cam là pour qu'on voit bien le dessous. Le truc c'est que j'ai pas fait de ferme, mais j'aime pas ne pas faire de ferme, mais ça me semblait quand même compliqué de les faire en early game. Et le timing où je pouvais, je perdais quand même beaucoup de thunes, donc bon. On tente sans. Putain, ça a pas mis assez du tout quoi, c'est une dinguerie. Bon, bah c'était pas ça le plan. Je suis obligé de mettre une deuxième balise, je crois. Je vais quand même la mettre là. Je vais mettre niveau 2. Je pense pas qu'elle marche dessus là, ça va tout droit. Ah si, je crois qu'elle tourne à droite là. Ah j'avoue. J'avoue qu'elle tourne à droite. Tu peux pas mettre un mur contre ça, c'est un insecte qui passe au-dessus de tout. Je peux pas mettre le mur contre ça. Ah, mais c'est que là l'angle. Oh, l'angle est puant de fou. Peut-être je peux mettre le slow là, mais il faut que je casse ça, c'est chiant. Peut-être la mettre là quand même, mais bon.
Il y a un monde où il faut que je recommence la map tellement j'ai merdé sur mon labyrinthe à droite, je crois. Parce que j'ai pas de bon placement pour les tours. Je crois que genre la tour de Sklo, je devrais pas, être là. Ça, effectivement, c'est vraiment nul quand même là. Trop de choses qui vont pas. Du coup, c'est galère pour rien. Sur 11, mais bon, peut-être qu'on peut réussir en vendre la merde. Octoïde, manoïde, ok, vas-y, go. Coup d'aérien là. Est-ce qu'on clean les deux autres? Je pense que oui. Il va pas qu'il y ait cadeau là-dedans. Je pensais que les insectes prenaient plus de temps à se déplacer sur un mur que normalement. Non, non, ils... Ah, plus de temps, je sais pas, je crois pas. Hein. Peut-être un petit peu plus, c'est possible, ouais. Oh. Oh, Birat me dégoûte. Peut-être que mettre une catapulte ici, c'est pas dégueu autrement. J'aimerais des meilleurs angles, mais j'ai des angles pourris. Mais bon, au moins ça procra au début, quoi. Mais bon. Autrement, on remet effectivement une tour à sectoïde là qui était acceptable en vrai. Mais bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'insectes après? Pas tellement, non. Donc ce serait un peu une perte de thunes. Mais de toute façon, elle va se faire cancel sur ce timing, c'est trop chiant. Virer ça pour un blizzard. Une tour au-dessus du sable de gauche. Là. Pourrait. Genre je vais faire ça. Je pense qu'avec blizzard niveau 2 c'est fine. Oh, ils vont monter dessus là, ça va être chiant. Je pense que le bizarre va faire le travail en vrai. Cette tour de gel, elle était vraiment pourrie depuis le début de toute façon. Bizarre OP OP. Vague 8 en faisant de la merde. Golem. Golem, dragon. On va voir à quel point c'est la merde ou pas. Ok, les dragons ils partent à droite. Faut que les archers le focus.
peut-être mettre l'anti-dragon là. Après là c'est... Niveau range c'est comment? Ah j'ai pas l'anti-dragon? Ah si. Genre si je mets là niveau range je serais comment? Est-ce que je pourrais cover assez? Vraiment ok. Au mid là oh, là c'est peut-être pas si mal ouais, j'avoue que là j'aime bien, je suis d'accord probablement. C'est vrai de passer quand même vachement au milieu et je peux quand même proc là au début. Après le problème c'est que si proc là au début ouais il y en aura un petit peu, ça peut être chiant timing de défense, mais j'ai l'impression que la plupart vont quand même là. Du coup, la reine, j'ai pas longue. Non, je vais faire comme j'avais fait, je crois. Parce que sur la vague de 9, ça va être trop chiant, du coup. Je vois pas une grosse durée de DPS, je pense. Ça sera déjà un peu mieux. Ou alors, je vais carrément là comme je voulais. C'est peut-être le mieux. Ouais. Je vais faire ça, je pense que ce sera quand même mieux. De toute façon, là, j'ai pas forcément absolument envie de build pour le moment. Et au pire, je pourrais vendre après. Ils ont pas l'air de trop venir en bas, hein. ils vont vraiment là. Du coup, ici on cover ça et ça facilement. Genre là que c'est vraiment bien. A voir si je dois le up ou pas. Je crois pas. A voir si on clean le reste, là ça me paraît chaud. Timing un peu foireux. Je déteste comment j'ai fait ma stratégie. Je crois que c'est une des strats où je suis le plus dégoûté de mes placements et tout. Surtout de la birate à droite me terrifie. Je pense qu'on va lire jouer suffisamment tôt, juste niveau 2, c'est fine, je peux sauver des thunes. Ouais, peut-être que même niveau 1 ça le faisait du coup, mais bon, tranquille. Flemme de le refaire pour le niveau 1. Faut gratter un peu de thunes là-dessus. Dragon. Dragon, il y a encore du dragon en late là-dessus, ok, ok. Bonne nuit Lino, bonne nuit à toi. Je crois qu'il va falloir upgrade ça. Les dragons rouges ont pas l'air commode là. Il y a moyen de faire mieux, je pense. Ne serait-ce que. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que je vais pas profiter des deux sapes, tu vois, je sais pas. Il me reste une tour d'archer qui peut aider, que je vais peut-être foutre ici. Ou alors, je fais quand même une tour là. Je foutrai plus ici et ça va être bon. Peut-être qu'il faudra que je mette même deux. Je pense qu'il faudra que je mette deux au moins. Dès que j'ai la tenue. Ah, c'est un peu trop léger. Je pense que là on est ok. C'est une run à l'arrache. Ouais, ouais. Ouais, je fais de la merde, je pense.
Mais bon, si on réussit à avoir de la merde, tant mieux. Pas tant mieux. Ah, fallait que ce soit 3, my bad. Oula. Il y a l'option de mettre une tour d'archer, mais archer ça met quand même pas autant sur les dragons, je pense. Bah, c'est pas je pense, c'est sûr, mais bon. Coup de thune quoi après. Ouais, il y aura juste encore du dragon au niveau 11 quoi. Donc, il faudra les garder pour dragon et puis les virer à toute fin. Et puis bon. De toute façon, si j'arrive à faire la vague 10, normalement la vague 11 en général elle est free avec l'achat-revente. C'est trop fort de faire de l'achat-revente, enfin de. Ouais, de revente-achat sur. Sur la dernière vague, je trouve en général. Golem, golem inactif, ok. Va falloir de. Ce genre d'arme. On a toujours pas maxé elle. Mais bon, contre des golems, ça prend pas la strat. J'imagine là, vu que ça va repasser par ici. Ils vont à droite là ou ils vont venir ici? Enfin, moi j'ai mis ici en me disant ils vont venir là, mais ouais non, ça. Il y a encore des insectes après ou pas? Non, donc ça pourrait peut-être virer, sauf si le boss est un insecte. Je pense qu'on clean même à droite. À mon avis ça passe pas. J'aurais pu même pu sauver plus de thunes pour la value eco. Wagon, let's go. Sac Afrique. Sac Afrique R. Le boss qui va venir ici. On fera un truc pour retarder le boss, mais. Faut voir la gueule du boss, on va voir. Ah, c'est Octohydrène, ça s'est tracé ce truc là, ça a pas l'air de tracer tellement. Hop là, ta gueule. Hop là, ta gueule. Attends, y'a plus rien là? Genre en fait je peux tout démolir et tout construire là? Attends mais ça va passer en plus juste avec ça là? Non tu te fous de ma gueule là. On a rien fait là. Quoi ce niveau de con là? Ah merde il y avait des petits. Oh non mais c'est bon traquenard. Ok. Y'a rien qui est passé là? Genre il faut que je recheck rapidement mais je crois qu'il y a quasiment rien qui passe là donc c'est juste une vaste blague ce niveau. Je vais mettre ça plus tôt mais tant pis Nick. Pas de mots. Je fais une nappe et on réussit le niveau, je sais pas, c'est bizarre. Alors, le niveau était facile, mais enfin. Je pense que. Merde, je l'ai relancé. Oh non, je. Oh putain. Je peux me barrer là ou il faut que je refasse quand même? C'était vide, ouais. Oh vas-y, on le refait 2 secondes, au pire, ça prend 2 secondes.
J'ai merdé en faisant pas le up sur l'autre, mais bon. Même ça, je peux virer au début, je crois. Y a rien qui passe là. Laisser ça au cas où pour les quelques heures, mais terrible. Ok. Oublions ce niveau. Titan. Et là, c'est quoi? C'est bonus 4. La reine des titans. Faisons la reine des titans. Ouh. Phoenix. Invoque des phoenix qui s'écrasent sur les monstres les plus forts. Félicitations. Personne n'est arrivé jusque-là. Je crois que d'autres joueurs l'ont déjà fait, si, si. Ici s'arrêtent les légendes. Vous serez le premier à rencontrer Sa Majesté la Reine Mère des Titans. Ok. Ok, je crois que c'est là qu'il y a les monstres. Et du coup, ça va être la rentrée. On a des fermes. J'ai envie de faire des fermes 300 gold. Là. Je vais pas upgrade ça. Je vais faire mes fermes. Là, prends-moi ici, du coup. Probablement là. Envie d'être gourmand de fou sur les fermes. Après, il y aura les insectes, donc sûrement. Donc, au moins que ce serait ça. Je sais pas si on peut faire ça au début, on verra. Archer au début, archer c'est toujours bien. Faut que je réfléchisse à mon labyrinthe là, du coup. Peut-être je peux décaler un peu la même chose et garder décalé de plus vers la gauche. Avoir plus d'espace pour la birette. Ok. S'il y a des insectes, on n'a pas envie de les foutre sur la route. Du coup, pensons au labyrinthe. Je peux pas, là. Est-ce qu'on referait pas un truc en ligne droite? C'est plus simple, donc en diagonale. Bon. Pas forcément. Ah, c'est juste que là je perds de fou des cases aussi. J'ai l'impression que je vais refaire la ligne droite après. Pas faux qu'on là, je vais regarder sur YouTube, donc bonne nuit. Bonne nuit à toi. Ciao, ciao. Faut réfléchir déjà pour la birate, parce qu'après je vais me retrouver à faire de la merde. Alors, je suis au max. Après, je peux le faire aussi dans l'autre sens, peut-être. Je vais les faire venir là.
perds quand même des cases là, mais bon, je peux y faire grand chose, ça j'ai option. Ou alors, ouais. Comme ça du coup. Ah, mais du coup en bas c'est chiant aussi. Ouais, peut-être que je peux quand même faire ça, ça. Ok, ce sera ça le labyrinthe, j'imagine. Ok. Ok, ça on dégage. Et du coup, il faut que je garde les cases les plus petits pour après. C'est quoi le chemin de base s'il y a des archers? S'il y a des insectes, ok. Du coup, ici, l'anti-archer. Enfin, l'archer plutôt. J'ai la tour à sec de toute façon. Ici, je pense que je peux mettre aussi archer. Je pense pas qu'ils iront dessus, à mon avis. Au pire, si je veux être safe, je mets là. Yep. Ah, mais là, il faut que je décale. Je crois que je. Let's go, la thune. Les assets qui se pointent, ok. Tu vas de merder, ça va pas. Oh. En fait, elle doit être décalée d'Oriel là, et après c'est ça. Donc elle devrait être ici. Chier. Je casse tout mon plan de jeu pour après, et après je suis baisé si je le fais pas correctement. Tac, 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 là, je crois. Deux. Allez, je recheck pour être sûr. Qu'est-ce qui va pas là? Est-ce que j'ai merdé? Ah oui, c'est ça. Ok. Et du coup, celle-là ici. Et celle-là ici. Peut-être du plus déconstruire les walls, mais bon. Au moins, je m'en souviendrai là. Ça qui me rend fou. J'ai la flemme de prendre un screenshot ou quoi. Pour une femme de plus en bas à gauche, tu pouvais avoir deux champs de plus autour et clean la vague. Ah, j'ai l'option. Le truc, c'est que si j'allonge le champ, après, les insectes vont venir marcher dessus, les cancel, je crois. Donc, ça m'arrange pas trop. Tu vois, si je mets le bord du mur et qu'il marche dessus, est-ce que ça cancel ou pas? Tu vois ce que je veux dire? S'il marche là-dessus, ça cancel ou il faut absolument juste qu'il marche sur le champ? Parce que peut-être que dans ce cas-là, c'est fine, ouais. Bon, pour après, pour mon labyrinthe sera quand même chiant. Donc bon, on va dire c'est comme ça. Mon labyrinthe, c'est cool comme ça. Si c'est trop long, ça va me niquer mon labyrinthe, je pense. Il tend en bas à gauche. Là, ça a rien, là. Ah si je fais ça et ça, je gratte 2, ouais. Pour une case en plus. Ah, j'avoue. Genre ça, ça. Ouais, je peux faire ça, t'as raison. Ou le faire, yep. Trop de thunes. On aime trop le Zay, nous, ici.
Soit il y a moyen de faire même la même, et sinon. Ah, mais. Faut réussir à tenir le niveau, mais vas-y, on va essayer. On est des rats. C'est trop fort, l'osaïre, ouais. Faut que je recheck mon niveau par contre. Ok. J'avais dit ici. En haut à gauche, mais après, je peux pas me défendre après. Si j'écris trop. Il me faut de la thune pour. Ok, ce sera là. Ah, c'est bien comme ça. Je pense qu'on a déjà bien ride. J'espère que ça passe, mais je pense que oui. Enfin, que ça passe pas plutôt. Je pense que comme ça on clean de toute façon. Après, il y a un monde où tu essaies de grid et de construire la femme, bon. Je pense que c'est ok. Ça devrait déjà être suffisant. Attendez, je recheck, c'est ça. Je pourrais vraiment pas construire à cause des éventuels insectes. Je pense qu'ici sera bizarre en vrai. Et ça ici. Ah, j'ai pas la range là. Ah, c'est chiant, j'avoue. Le mettre là autrement, ouais. On va rechanger parce que ça va être relou pour après, j'imagine. Cas où. Ouais. Ici, du coup, j'avais dit, je crois. C'est que du coup le blizzard ça aurait été pas mal là vu que ça aurait été à côté des autres, mais à voir où il marche, mais je pense qu'il marche sur ces deux cases là hein, si j'ai pas de conneries. Du coup il faut pas que je construise là, à moins de mettre l'anti à sec, mais j'ai pas envie, donc ouais c'est ça. Et du coup ouais, j'ai pas vraiment de spot pour le blizzard contre les insectes au final. En fait il va falloir que le blizzard soit là à la place de ça au final, et que lui soit peut-être décalé ici. On passait les salauds. Peut-être dû mettre la tour anti-insecte. J'aime pas trop la tour anti-insecte. En vrai c'est deux fermes de plus. Forcément on va rigoler, j'avoue que c'est tentant, j'ai envie d'aller le faire là. Vas-y, tu m'as chauffé. Et je remettrai mon truc comme il faut pour un blizzard là. Ça me gaffe trop de pas avoir mon blizzard au bon endroit. J'aime pas quand c'est pas au petit. Ça m'agace. Non, c'est pas ça là. Yep, c'est. Comme ça. Comme ça. Pomme. Hop. Ah, mais je vais devoir décaler. Je crois que j'ai fait même plus long là, non? J'en sais rien, mais bon. Déposer un bizarre à gauche de ta première tour, mais j'aime pas trop en vrai. Je mettrai l'archer là, le blizzard là. Attends, non, c'est sur cette colonne là. Oui, mais il faut que je décale. Ok, blizzard là, archer ici, je crois.
Là, je pourrais pas où là. J'ai plus abusé là, c'est possible que j'ai abusé de Zaza là. Après, ça fait vraiment beaucoup d'oseille là. En vrai, fuck it, le labyrinthe, si on fait vraiment beaucoup de thunes, c'est trop fort. J'aime bien l'oseille, le chat, j'aime bien l'oseille. Attendez, je réfléchis, voir si ça passe, mais je crois pas, du coup, non. Après, au pire, je mets les deux tours d'Archela et le bizarre là. Hein. Ah, mais non, il y aura une tour d'Archela et une tour d'Archela, du coup, je crois que c'est ça. J'ai abusé de fou, j'étais super loin là, je crois. Je crois que si je fais ça, à la limite, c'est fine. J'avoue, je sais même pas si je peux payer toutes mes fermes, tellement j'en ai fait. Ça va bien se passer, le chat. Believe. Casse-gold à la fin du niveau. J'arrive à cleaner avec ça en. Mais le truc c'est que. Ah. Peut-être que je devais d'abord les mettre niveau max. Ça aurait été plus simple. À voir si j'arrive à avoir les golds suffisants là. Ah, ils donnent pas de gold ces rats. Oh les rats. C'est à quel que je dois virer là du coup? Tout à l'heure, je faisais 4, oui, mais je faisais 4 comme ça. Ok. Mais j'ai pas les gold là pour la ferme du coup. Mais peut-être que je pouvais clean sans ça? Là, je cleanais pas, si, comme j'étais là. Oh, ce n'est qu'un mois qui passait, hein. Là, c'est le truc qui passait pas, on est d'accord. Après, il y a un monde avec un wall. Ah, ça va passer là. Là, j'étais moins gourmand, là, je crois que c'est bon. Ouais, là, ça va être bon là. Là, ça va, on a moins abusé. Ouais, là j'ai fait plus petit, là j'ai fait normal, là c'est ce que je devais faire de base, j'ai abusé entre temps, c'est ça je crois. Mais bon, c'est bon, il y a assez d'oseille. Et bon, 204 gold, c'est bon, c'est bon. On arrête d'abuser là, c'est fini. On a déjà assez abusé. Ah, c'est maintenant les insectes, fait chier. Ah, j'aurais bien aimé une catapulte. En vrai, je devrais mettre la catapulte, ouais, probablement. Vas-y, go. Ah, c'est chiant, par contre, ils sont pas gelés. Ouais, mais le problème, c'est que si jamais plus haut, on se fait douillet. Après, j'ai mis la catapulte tard, hein, mais. Ouais. Enfin, si je le mets là, il se fait cancel le truc. Bon, c'est pas grave, j'ai la thune. Pas besoin de faire une tour d'archer maintenant.
peut-être mettre la tour à secte, il m'ennuie vraiment. Allez, ils vont prendre ça dans leurs dents. C'est bon, c'est ma gueule. Après, il y a peut-être un monde où je la mets plus haut, les 3 TA secte. Parce que là, j'aurais envie de mettre d'autres trucs, je pense. Attendez, parce que je suis censé faire ça, un truc dans le genre, ouais, comme ça. Et du coup, tour à TA secte. Mais j'ai dit que je faisais ça, non? Pour la grouper. Ah, mais du coup, là, il vaut mieux qu'il passe par le haut. De base, il passe où là? Ah, il passe là. Oh, c'est chiant. Ouais, de toute façon, c'est du cas là, vont se faire cancel de toute façon pour les ASAC. Donc, go les mettre là. Go les mettre là de toute façon. Ça va bien se passer le chat. Ça va très bien se passer. Ok, j'ai menti le chat. Je vais quand même mettre le frost du coup. Même s'il proc pas pixel, ça aidera quand même, j'imagine. Pour le premier, en tout cas. J'aurais pu mettre l'arbalète ici autrement. Sur ce timing, c'était vraiment bien l'arbalète. Ok, arbalète. On galère un peu, mais c'est normal, c'est le début, on setup. Setup pour après. Je déteste quand même sacrément ces tours là. Hein. Ouais, arbalète, je suis d'accord, c'est vraiment trop fort. Hein. J'aime pas ces tours-là, mais bon, le problème c'est que sur ces spots-là, c'est trop chiant. Ouais, je pense que je vais même pas monter ça plus haut, quoi. C'est. Ah, il faut que je la décale pour mon mur, celle-là. Ah, c'est possible que pour mon mur, il faut que je la décale, celle-là. Bien possible, ouais. Même pour tirer, ce sera bien mieux. Ouais, ça max. J'ai limite envie de refaire une arbalète tellement c'est broken juste ici, genre. Je peux refaire une max pour après, c'est juste trop fort. Je déteste la tour poison, là je la joue parfois, mais c'est juste quand je voulais jouer sur des cases, moi. Enfin bon, on va quand même en mettre une. Vite, vite, vite. Vu que j'ai de la thune. Ouais, peut-être qu'un slow c'était quand même le play, mais il faut que j'en vois où il passe en fait. Si je vais mettre mon slow, il n'y a pas un endroit où il passe et le slow est value sans se faire cancel. C'est ça qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Je vais mettre un bizarre, mais l'angle est puant. Genre là, il se regroupe là. Du coup, il aurait fallu limite que je mette le blizzard là, mais j'ai pas envie. Après, je peux mettre le slow là. Hein. Je vais mettre le blizzard là, ouais. Et il faut que je vous dis ici, mais après je mettrai l'arbalète là. Ah, c'est bizarre. Hein.
De toute façon, je vais faire passer par là, remonter par là. Hop, et passer là. Mais là, je pourrais pas à cause des insectes, du coup, ce serait plutôt là. Et l'autre, je la mets où? Je la mets quand même là, peut-être. Un petit gold serait cool pour avoir niveau 2. J'adore le blizzard. Voilà, quelle régalade. Ok. Je pense que je gagne juste trop de dégâts en faisant ça en fait ici. Sans même construire, ça gagne tellement de DPS là. A voir ce qui vient, mais à première vue c'est du tanky, du coup. Après ça j'aurais certainement envie de la mettre là en amélioré, ce sera vraiment bien avec la catapulte, j'ai l'impression. Je vais déjà la mettre. Ce sera pas à niveau max mon prochain tour. Ah, plutôt pour la mettre, mais j'aime trop aussi la catapulte. Ah c'est Matsam! Bonsoir, bonsoir. Ça nique pas ton labyrinthe ça? Non là on est bien à niveau labyrinthe. Je dis pas de conneries. Encore à vous là que je mettrai évidemment. Encore à vous d'ici. Là on a la base de notre labyrinthe, il y a ce qu'il faut. On est très bien là je pense. On a pris un peu de temps, mais c'était pour optimiser le labyrinthe, optimiser la ferme. Vaut mieux perdre un peu de temps pour optimiser pour qu'après le reste des vagues se passe théoriquement bien. Théoriquement évidemment. Catapulte contre ça. Ouais, la reine, j'ai pas trop mal. Il y avait le monde où je la mettais là, mais je profite vachement moins du slow et de la fat zone et tout. Il y a des trucs gros loups là qui arrivent. C'est que ça, c'est pas trop un hot spot intéressant. C'est plutôt là le spot du coup. Un peu bizarre, mais. Je peux faire un blizzard flamme. Ça se lance plus du coup, mais bon. Non, je vais le mettre niveau 3 à la limite. Alors, il me reste beaucoup de gold, mais j'ai pas réfléchi où j'allais construire, donc j'ai pas envie de construire n'importe comment. Au pire, ça passera, mais. Et non, prends Ked. Rien ne passe. Ouais, les deux ensemble, c'est trop satisfaisant de fou. Aérien, il faut que je refasse une tour archer. J'aime bien ce spot en vrai, je pense. Je remettrai peut-être un blizzard ici après. J'ai de l'anti-aérien s'il y a besoin. Bah là après ça catapulte boosté donc c'est quand même cool. Alors à voir si on a besoin du pieu, mais le pieu, je sais pas, je le mettrais d'ailleurs. Tu mets là. Je vais laisser passer et voir à quel point je dois le monter pour mon niveau 2. Ouais. Pas le mettre au début autrement, genre là, là, ouais. Alors on va le mettre niveau 3.
que là, je préfère jouer mes slow et tout bordel. Là, c'est. C'est bien. Ça évitera que les archers focus de la merde. Et que le King Ninja les dragons à l'avance, ce sera pas plus mal. Tu utilises pas trop le slow aérien? Ça, je trouve ça trop nul. Genre, je le monte quasiment jamais max. Je le mets parfois niveau A, mais je déteste ça. Ah, y'en a qui passent là? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait pas l'angle pour tirer? Ou j'ai juste pas mis assez de dégâts, il fallait que j'augmente le pieu. J'avoue, je lisais le chat, j'ai pas fait gaffe. Enfin, peut-être que je vais mettre niveau max du coup l'autre. Son niveau max augmente la range, vas-y go. Clean bien là. Ouais, niveau max, ça va le faire avec le poison, je pense. Juste, il était trop radin. Même bien l'oseille. Ah, mais il a focus les petits, à mon avis. Ok, c'est parce qu'il a focus les petits et du coup, il a pas pu focus les dragons. Ouais, je vois. Ouais, peut-être. Je suis même pas sûr que ce soit ça, en vrai, mais bon. Vaxis. Tanky. Faut commencer à penser à faire ce genre de truc. Genre là, ce spot là, il est pas mal avec une ligne droite là. Celle-là aussi, incroyable celle-là ici. Celle-là pourrait être ok aussi. Ça va falloir commencer à en foutre, ça c'est trop fort. Vas-y, go les poser. C'est vraiment trop débile les balistes en late game. Là ça va se faire cancel éventuellement. Après là je peux mettre un truc hein. Là et là je peux mettre des trucs si je veux. Parce que là il y a des insectes. Là je mettrais plus genre slow j'imagine. Ouais. Ah j'avoue que j'ai oublié le phoenix complètement. J'avoue que j'ai zappé qu'il y avait le phoenix sur cette map. Je l'utilise pour mon labyrinthe, mais. J'avoue, j'ai zappé le phénix. Baliste étoile, ça existe? Je crois pas en avoir déjà vu. Ouais, plus phénix. Why not? Ah, c'est chiant, eux. J'aurais peut-être pu wall pour casser un peu leur speed, là. Merde, loupé celui-là. Pas dans tes dents. Plus tard, c'est Gauthier, incroyable. Hâte de voir ça. Ok, il y a 20 8 sur 10, insectes, tank, aérien. J'aime bien mettre un Blizzard là, je pense. Mais je sais pas, ouais, juste le mettre en mode slow. Ouais, prends-moi. J'ai pas envie de maxer en mode flamme, juste le slow, c'est bien. Le problème, c'est que les insectes vous cancel ça, ça, ça et ça, donc j'ai pas envie de construire dessus. Là, ça va se faire cancel aussi. Après, juste là, à la face, ça peut être fine aussi. Hein. Le blizzard étoile, j'ai jamais fait, mais en fait, ça devient plus blizzard, ça devient lance-flamme. Et je préfère le gel que le lance-flamme, je pense. Quand il y a de la masse, l'effet AE c'est tellement fort, je trouve, de slow en masse. Ok, nous avons un problème. Il y a un dragon qui est passé et. Ça, c'est très très chiant. Est-ce qu'on clean le reste? Juste prendre la faux sur le reste avant. J'avoue qu'un petit lance-flamme là ça ferait carnage autrement mais bon. Ok on clean le reste. Okay.
Il me faut un autre pieu plus loin. À la limite, je peux le mettre là. Après, là j'ai une case de livres. Hein. Pour l'antiaérien, je pense que c'est pas mal ici, en vrai. Après, là aussi, c'est vide, j'avoue. Ce sera mieux. Je pense. Ce sera plus centré. Ok. On va voir l'enslam. On le fera à la fin. Rappelez-le-moi. On le fera à la fin. Niveau 2, je pense que ça le fait. Hein. Yep. Oui, c'est comme celle d'anti-aérien, mais bon, pas très grave là, sur ce timing. La catapulte! Catapulte! Bien joué ça, solide! Vague 9, vas-y, au revoir mon grand. Où est-ce qu'on construit? Bizarre 3. Ah, ces octoïdes là. Ok. Là, c'est vrai que je pourrais construire, ça se fait pas cancel. Là, ça se fait cancel, donc j'ai pas envie de construire. Bon, alors les puants, on fera quand même là du coup. Là, c'est une façon. De mort, le niveau est trop dur pour se permettre de troll, mais en même temps, Oliège a fait un meilleur start que moi. Bah, en fait, si tu fais un start insane avec la thune, tu peux te permettre de troll. D'ailleurs, ça te fait trop d'économies. Genre, ça fait qu'au final, je joue peut-être avec deux arbalètes max de plus que toi ou un truc dans le genre. C'est vraiment débile. Hein. Un bon start, un bon labyrinthe, une bonne économie, ça change vraiment la donne. Ouais, je pense l'optimisation des golds à full carry, ouais. Ok, ça va être le temps de faire le. Vas-y, on va faire le labyrinthe max. Merde, j'ai oublié de vendre mes fermes. Putain. Pour allonger peut-être le labyrinthe. Ouais, c'est peut-être un boss à sec, là, je sais pas trop. Donc. I don't know. Y'a pas derrière, je crois. À première vue, il a l'air de dire que non. On veut l'ensemble, je vais le mettre. Promise. Je mettrai sur celui-là, je pense. Dix mille HP le truc, ok. Il va passer là vraiment. Il m'a encore flou là. Ouais, prends ça. Brûle. Oh, il y avait des rip-hop. Il y avait full rip-hop.
On va mettre le tour là où ça passe, NP. Il y a combien des ripop là? C'est bon là. Let's go. En vrai, ça m'a fait quand même le travail contre le boss. Hein. Nice. Ah, l'enflamme fait du bien parce qu'en fait il y avait full ripop, je m'y attendais pas. Et en vrai, l'enflamme, à mon avis, c'est fort contre les. En fait, l'enflamme, c'est genre dégâts de zone, mais petite portée, quoi. Genre. Du coup, ça a bien carry là, ouais. Après, la catapulte a salement carry aussi, et puis l'achat-revente, c'était cool. Ah, la catapulte a carry de fou aussi. Ouais, celle-là, elle était plus agréable. Mais tu vois, le fait de prendre le temps en early game pour bien optimiser les champs et tout, etc. Ça fait que ta game après, elle est plus agréable. Parce que la map d'avant, j'étais frustré parce que mon labyrinthe était pourri. Et du coup, il y avait des serviteurs qui... Tu sais, des insectes qui passent sur les tours et ils cancel. Et quant à ça, c'est trop chiant. Alors que quand tu as bien réfléchi à par où est-ce que les insectes passent, par où les ennemis passent, où est-ce que tu mets tes tours anti-aériens. C'est trop satisfaisant en fait de voir que tout le plan jeu il paye, tu vois. Et la map d'avant, je voyais bien qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas, mais bon, elle est quand même passée, hein, mais c'était pas propre quoi. C'était du travail d'amateur quoi, c'était bâclé. Mais bon. Les maps les plus dures, je trouve, c'est celle avec les champs, car justement, pas, car plus d'options. Après, c'est pas si dur, c'est juste qu'il faut accepter de recommencer en boucle les 2-3 premiers niveaux pour optimiser tes champs pour ensuite avoir une game facile, tu vois. Parce que là, probablement que je peux la réussir en optimisant un peu moins les champs, mais du coup, ça aurait été quand même plus galère. Là, on était quand même large, tu vois. Il y a encore plein de trucs que je pouvais acheter, revendre, j'aurais pu mieux placer les tours à la fin. Mais juste, on était quand même bien. Après, ils étaient quand même pas loin, les ennemis. Hein. Donc, ouais, je comprends que si tu optimises pas les champs, si tu perds un peu plus de gold au début, c'est quand même tordu. Hein. Là, l'économie, elle nous a fait trop de bien. Clairement.